Bonjour à tous, ici Sprulex pour ce 10e épisode de Let's Play sur Captain Toad Treasure Tracker sur Switch. Alors, nous sommes dans le 3e livre. Nous avons fait le 7, la volière des picots condor. On va faire des airs haut en bas. Directement. On va essayer d'accélérer un peu le rythme de... des niveaux, hein. Voilà, premier diamant. Alors, on va vérifier. Non, il y a un P ici. Ok, c'est pour ouvrir et fermer. Enfin, lever ou baisser plutôt. Très bien. Alors, si je pousse là, ça fait ça, d'accord. Mais dans ces cas-là, j'appuie là et ça ne va plus. Donc à partir d'ici, je dois aller par ici, d'accord. J'appuie là. Et comme ça, je peux appuyer là. Et voilà. Deuxième diamant. Ok. Alors. Donc je peux monter là. Pas de problème. Je peux monter là. Ok, alors ici. Je peux faire descendre, attention. Monter. Ah, d'accord. Aïe. Donc j'appuie là. Oups. Je vais faire ça comme ça donc. J'appuie là et maintenant je peux appuyer là et hop. Alors ici, comme ça, comme ça, ou pas. Voilà, comme ça. Bon, on n'a pas le troisième diamant parce que j'ai tué sans le vouloir l'ennemi qui était là. Ou alors, il faudrait... Ok, ouais, il faut que je fasse ça, voilà. Et je peux pas passer avec, donc de toute façon, c'est foutu. Allez, hop. Donc là, j'appuie là-dessus, j'ai pas le troisième diamant et je vais à la sortie d'étoile. Ok, parfait, stage terminé. Voilà, deux diamants. On continue, rail et vertige dans les vestiges, il me faut 100 diamants, j'en ai 122, ça va. Alors, ce sera Toadette. Ok. Alors, on est parti. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Aïe, bon, ben voilà. Ça déjà... c'est limite, hein. Et là, on est parti. En mode... allez. Thank you.
déjà? Voilà. On en profite, hein. Voilà, très bien. Voilà. Deuxième. Alors, ici. Hop, petite vie qui va bien. Diamant. J'ai pas eu le pot, dommage. Oh. Ok. Faut tout fouiller, hein. Je vais peut-être le refaire, un diamant là-haut. C'était le troisième. Là, c'est la fin. Alors, comme d'habitude, il y a des pièces là en dessous. Ah, dommage, 190, j'ai pas eu une deuxième vie. Ok, parfait. Bon, on va peut-être pas le refaire non plus directement, mais il est sympa. J'ai pas trouvé le one-up. Ok. Une épreuve pour le Capitaine Toad. Ok. Wow, 4. Très bien, Micmac sur le monde groupe. Donc là, il y aura certainement la double cerise. Alors attention, la chouette. Voilà. Boum. Faire la chouette suivante. Très bien, donc là il faut être deux pour l'ascenseur qui est là. Ok. Seulement pour l'instant on est tout seul. Il y a une double cerise là, d'accord. Alors est-ce qu'il y a moyen de monter? Oui, il y a moyen de monter. Voilà. Alors ensuite, une double cerise là aussi, d'accord. Très bien. On va descendre un peu. Mais il faut être 3 ici, d'accord. Le petit champignon. Qui fait plaisir. Alors j'arrive ici. Hop. Parfait. Alors ensuite voilà pour l'autre chouette. Ah non! Ouais, bon, ok. Là, il faut être deux.
Hop, et là. Alors, ici, encore du champi... encore du navet. Là, il faut être 4. Oh, purée. D'accord, allez, la chouette... Il y a encore une vie qu'on va récupérer ici. Hein. Et boum. Ah non. Allez, voilà, une vie. Parce que 100 pièces. Pas très bien, mais c'est pour le retour, ça. Ok. Alors, on va une fois aller voir en haut, parce qu'on peut descendre ici, d'accord. On peut monter cet escalier. Il y a un masque cassé, il me manque un navet, purée. Pourtant, j'ai tout fait pour les économiser, hein. Il y a peut-être encore un navet là, ok. Ah ben non, je pourrais pas passer. Oui, bon, on va y aller à deux alors. Hein. Donc. Déjà, voilà. Alors. Attention de ne pas tomber. J'ai rien pour le caler. Voilà. Non, pas bien. Allez, bien au fond, voilà. Très bien. Hop. J'oublie un petit détail qui a son importance. Un détail de navet. Et ouais, bon. Alors, on descend. On se recolle au mur. On y va doucement. Voilà, attention. Ne pas se tromper. Ok. On a réussi à avoir le masque-casse. Comment on fait pour atteindre le... C'est pas grave, maintenant qu'on n'a plus rien à craindre, on descend là. On peut prendre le troisième. Très bien. Alors là... Ah, sale... Non, ça va. J'allais dire, ça aurait été dégueulasse si on pouvait plus... Allez. Voilà. Et
Et l'ascenseur à 4, il était là en bas. Hein. Non, c'est 3 aussi. Hop. Waouh, à 5. Voilà, il est là, l'ascenseur à 4. Et l'ascenseur à 4 sert à avoir le dernier... Ok. En y allant méthodiquement, une vie en plus, parce que bah, c'est 10 pièces par Toad à la fin. Terminé avec 5 Toad. Parfait, je l'ai. Parfait. Alors, suivant. Promenade sur dalle dépliante. On va essayer d'arriver jusqu'au 14 environ. Ah, ok, elle change de couleur et puis elle s'en va. Voilà, ça c'est fait, j'aurais dû courir. Bon, on recommence. Je dois plus prendre le diamant qui est là. Prendre les pièces au cas où, hein, pour les vies. Enfin, je sais que le niveau d'avant, on peut avoir des vies... deux vies gratuites. Mais il prend du temps, c'est ça le problème. Donc. Ah merde, je me suis fait avoir. Ok, je dois aller sur un, passer sur l'autre pour prendre le... Mais bon, voilà, comme ça je le sais, mais je le ferai plus. Les deux vies que j'ai eues dans le niveau précédent, voilà, elles ont disparu. C'est pas grave, j'en ai 7. Voilà, très bien. Alors, je vais tenter par là. Très bien. On va retenter par là et arriver plus loin. Voilà. Je vois rien du tout. Si, voilà. Alors, si je viens par ici... Ok, et... Et voilà. Bon, au moins j'ai eu les 3 diamants. J'ai perdu encore une vie, mais j'ai eu les diamants. Allez, on y retourne. Ok, on prend les pièces ici, gratuit, pas cher. En fait, j'aurais dû faire les deux. Un peu comme ça. Même si là, voilà. Et comme ça, là, je pouvais retomber, d'accord. Bah, sans connaître, c'est vrai que c'est difficile à concevoir. Ok, allez, hop. Bon, on va pas prendre les pièces. De toute façon, je ne suis pas sûr d'avoir assez pour faire une vie. Je vais pas prendre les pièces là-bas en bas. J'ai mes 3 diamants, j'ai l'étoile.
Ok. Parfait. Forteresse bloc de roc. On y va. Oh mon dieu. Ça a l'air horrible. Déjà, je peux aller là-bas. Pièce. 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 Et pièce. Est-ce que... Ok, c'est par là. Alors, là-dedans... Bon, il n'y a rien. Si ce n'est qu'on est un peu à l'abri. Voilà. Déjà, je peux grimper là-haut. Hop, 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 là. Boum, boum, boum. Non, non, descends. Mets-toi à l'abri et regarde un peu. Il y a deux manivelles. Ok. Ah. Allez. Mais c'est fait exprès pour que je ne puisse pas l'avoir au canon et que... Légèrement plus bas. Comme ça, ouais, c'est fait exprès pour que je ne puisse pas le prendre au canon. Je suis obligé d'y aller. Ok, il n'y a plus rien là. Je peux pas viser si haut. Comment on fait alors? Ok, ben, j'arrête ça. Je passe de l'autre côté pour faire la même chose, j'imagine. Voilà. Ok, alors ici. Un petit champi. Comment je fais pour aller là-bas?
là-dessus, il n'y a plus rien. Je suis obligé d'aller là-bas. Il faut aller là-bas dans le fond. Il y a deux Goombas là qui sont pas encore... ils ont pas mouru. Hop. Pas besoin du canon. Il y a les bits balles qui sont chargés. Je vois rien. Écoute-toi. Yep. Voilà. Il a foncé dessus sans même réfléchir. Tant mieux pour moi. Ok, les pièces 134. Par hasard, que dalle, par des mille balles à tête chercheuse. Voilà, ici je descends. Hop, ça va. Ah oui, d'accord. Ouf. J'ai failli jeter le troisième. Alors que je dois faire ça avec. Voilà. Aïe. Ah ben non. Ah zut. J'ai quand même le canon. Tant pis pour le deuxième diamant. On a au moins l'étoile et deux diamants. Très bien. Terrain miné en 10 tirs au moins. Ouais, enfin ça c'était même pas possible. Ok, on va vite se faire le bonus. Méga moisson de pièces. Je vais tenter la cerise. Ben voilà, ça fait 2. 269. C'est un beau chiffre. Voilà. 2 vies en plus. Alors, on continue. 13, le secret du domaine doré. 132, il m'en faut 110. Ok, c'est bon. Dragon doré. Eh ben, on va se terminer avec celui-là. Oui, d'accord, j'ai compris, c'est ça que je dois faire. Hop. Il m'a fallu 10 secondes pour comprendre. Hop. Ok. C'est ça. Allez, vas-y, descends. Ça, hop, je passe là. Ici, tu montes. Comme ça, moi, je descends. Je prends ici. Là, je suis protégé. On va... D'accord.
là. Je prends la porte. Voilà. Alors, je suis là, d'accord. Là, je fais quoi? Toi ici? Non. Toi là? Ok, c'est ça. Voilà. Dommage. Ok, bon. On a compris à peu près. C'est bon. Alors, on est reparti. On baisse ça. Vraiment pas beau, hein. Même en doré. Yep. Il est juste, mais. Allez, lève-toi. Ça, moi, je peux passer. Baisse-toi. Comme ça, moi, je peux monter. Voilà. On peut cracher si tu veux, là. Ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Là, je baisse. On y va. On y va. Hop. Voilà. Et le diamant que je n'avais pas fait tout à l'heure. Voilà. On prend la porte. On arrive là. Obligé de faire ça. Ok. Donc là, ça va être un truc comme ça. Voilà, comme ça, là, là. Et je descends. Oui, c'est très bien. Je devrais. Allez, je vais passer la porte. Et là je passe là-dessus. Le canon. Très bien. Il est pas content. Ok, il tire encore en bas. Et hop, on se cache. La porte. Voilà, on se cache. Ah, dommage pour le troisième diamant, tant pis. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, allez, allez. Voilà, attention les flammes. On prend l'échelle. Allez, allez, allez. Normalement, il y a la lune. La lune étoile, pardon. Et voilà, et ça va tomber sur sa tête, comme dans les deux prochains précédents livres. Voilà. Fait 10 mouvements de bloc seulement, ouais, on oublie. Et le défi de Toadette. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de cinématique. Ok, bon, bah on va s'arrêter là. Et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode afin de continuer ce troisième livre avec la cage Maskas. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce en l'air si vous appréciez, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et surtout, portez-vous bien, bye !